Matondo na bino banso bali kota la biso sasa yi pibisi katu bozoami. Jeff Badibanga azali na poste na ye ya Moussala. Le plus 243 81 717 1197. Plus 243 81 717 1197. Ezali numéro na biso à contact. Vous pouvez nous appeler, nous écrire. Pour être tout partager ensemble l'actualité politique ya République démocratique du Congo. Ndenge tout ça la kanamo mesano. Bon partager lien. Pona kosunga bandeko yo bazali connecté pour l'instant bandeko yo bazali kolanda biso te pour l'instant ba meka kolanda en direct parce que mkolo lobby nos forces armées de la République démocratique du Congo et les wazalendo bazali banani bazali ba autochtone ba originaire ya République démocratique du Congo bazali ko défendre intégrité ya territoire na biso ba utaki bongo ko bengana ba M23 na ba quartier généraux na bango na est ya République démocratique du Congo ndenge na likolo bana bino awa chanzu runyonyi etongo etikali bongo polele ba récupérer yango e pa ba wazalendo et nos forces armées de la République démocratique du Congo. 150 rebelles ya M23 neutralisés, 70 morts. Donc ndenge na likoloba wana Kigali matangezali ya makasi parce que bolandaki na différents médias bali koyebisa bino yete bitumba ezongaki ya makasi kuna parce que M23 ayaki kwatake par surprise bandeko yo ya bawazalendo et nos forces armées batake bango par surprise la nuit. Ils ont répliqué et plusieurs dégâts et salemi na kati ya bayi M23. Alors pour parler de tout ça na liko senga na bino bo like émission, quelle est la décision oyo Paul Kagame a outi kozwa après que l'Égypte a outapé kobo ya kwa crédité bongo ambassadeur oyo yoye atindaki na cœur na Égypte cœur ezali capitale ya Égypte. Pourquoi l'Égypte a landi même ligné ya Belgique na Angola pona koboya ko accrédité ambassadeur ya Paul Kagame oyo atindaki na bamboka ina bokoye ba yango na kati ya émission ya lelo yango twali ko senga na bino bo like émission s'il vous plaît bo partager pe yango pwete bo zangate soki ozali abonné te o s'abonner na nous o cliquer sur la clochette d'alarme pwete à chaque fois to kozala na émission ou soit information ya sika na chaîne na biso ozala averti yango to lo bakane timo mesano na bandeli du susu. Ndeko yo a liké na nou émission te clique na nou na j'aime ya émission na ya vidéo oyo o clique na j'aime o partager lien o tindeli pe bandeko oyo bazali connecté te pote bango pe bazanga kozwa information ya tongo ya lelo te sur Vitesse Télévision, votre chaîne par excellence. Mbote mingi na ba oyonyo so balingi biso bozali na poto ozali na est ya République démocratique du Congo ozali na ville province ya Kinshasa ozali na Mbujimayi les jeunes leaders ya Kasai oriental na likope sabino mbote twali kope sambote na secrétaire général Augustin Kabuya Chilumba. Sans plus tarder na likope sabino ba information du jour mukolo ya lobby seni autaki ko publier bongo ba liste ya ba parti politique na regroupement politique oyo et atteindre seuil ya recevabilité ya ba liste na bango ya ba député oyo batindaki kuna pona maponami oyo to ali kobenga na lopoto la législation la législative plutôt nationale yango omonaki mukolo lobby le parti ou bien le regroupement politique FDCA yango nde yaki ya liboso et bimaki liboso que landami na parti politique ya MLC ya ya Kulutu Jean-Pierre Bemba et landami na UDPS Oezali Kokangbama na Augustin Kabuya Chilumba. Mais la précision que j'aimerais apporter ici parce que Mkolo Lobby on a eu à faire une petite discussion batwali koloba était pourquoi l'UDPS a bimi 3e alors que Bango Bazali parti au pouvoir, pourquoi ils n'ont pas su aligner plus au moins 500 candidats na maponami na lobby ezali information du jour po ebele baloba kaboche titre ya bususu bo lobela makamu mususu na lobby to kolobela na 150 combattants ya M23 oyo bazalaki neutralisé lobby e pa ya FARDC
plus de 70 morts na katikati ya M23 yango nde sujet ya lelo mais oyo nazali koloba na kopesa bino l'actualité du jour ce qui défie la chronique ezali publication ya liste ya ba parti politique oyo ba respecté sei ya recevabilité pona ba candidat député na législative nationale bato ba komela kabiso mingi mingi pona ba titre donc yo soki o moni titre o landika ka 5 minutes o katike no bolobeli makambo a titre te avant to banda développement ya titre na biso to banda kanalo na opesa bino ba information du jour ba information ezali ko défier chronique netio yo na bandi nango ya seni na okota na makambo o Jeffrem et après na ozonge la titre pour to développer yango. Donc, vous devez suivre l'émission Tina Souka et comme ça, vous allez comprendre détail où tu as lu Kolobela, il y a Makambo, il y a Toché Nakati à titre. Alors, ceux qui Toché titre, et Peki Sabi Sote, qui n'ont pas lié Bissabi Nope, l'actualité Moussousou, ou ils allent au Salema, Nakati à République démocratique du Congo. Yango na lobi, il faut tout éclaircir, Batouba lobi, non, UDPS a zali parti au pouvoir. Le loi IDP s'abîme troisième na ba parti politique oyo seuil de recevabilité na bango bandima ki yango. Parti ya liboso ezalaki regroupement ya bati lukwebo AFDC et allié ya mi balé ezalaki regroupement ya ndeko Jean-Pierre Bemba MLC et allié mais balobi pourquoi IDP parti au pouvoir bazalaki na makukite ya ko aligner au moins 500 candidats députés national. Alors na linga kina tali sa ba yimbo kaboye. AFDC a ba se présenté comme regroupement politique. Ce qui ba botali na liste oyo seni a publié ba komi bien RP AFDCA. Donc regroupement politique AFDCA. Donc eza parti politique ya AFDC te mezali AFDC na ba allié na ye. O ba ali ko formé regroupement politique. Yami Balé. Soki okiti na UDPS. Okuta ba komi PP. PP lingyo loba parti politique. Donc UDPS akena ba aliété. Ba 400 quelques députés oyo bazali maintenu par la CENI, bazali kaka ba député ya parti politique UDPS et non UDPS et allié. Les alliés de l'UDPS ont fait leur mosaïque et na ba mosaïque wana mususu ezali reteni. C'est ça la différence pour na moni ba tebele ba attaquer la gestion d'Augustin Kabuya Balobi, il n'était pas capable de nous fournir au moins 500 candidats députés oyo bazali capable ya kozala éligible. Non. Bati abimisi na ba allié mais l'UDPS abimisi kaka bato yo bazali bananda ku donc le parti politique seul yangonde ebimisa ki plus de 400 quelques candidats députés na législative nationale oyo tozali ko kende nango le 20 décembre 2023. Ça c'est le premier point. Le deuxième point bande ko balandi na yebisa kabino que na mboka na biso congolais alingaka congolais te. La situation de l'OGFREM avec le DG sortant, Monsieur Kazumba Mayombo. Ce monsieur, il était nommé par l'ordonnance présidentielle à Tata Mokonzi Ayekolo. Tant qu'on va nommer, il est à DG à l'OGFREM. Monsieur Kazumba Mayombo William. Awa na kosolo la nabino na ba ordonnance oyo tata mokonzi ya ekolo auti ko bimisa kala mingi te awa. Monsieur Kazumba Mayombo William a été nommé comme administrateur na Congo Airways. Mais ndeko yo alingi kotika direction générale ya OGFREM te. Alobi ye akosala kimilu de fonction. Aozala DG na OGFREM. A ozala pe administrateur na OGFREM, na Congo Airways plutôt. Et ce qui est grave ici, c'est que le ministre du portefeuille, ou bien ministre à titel, a comme lié pour na ko informé ye kazali nommé na Congo Airways. Chers Congolais, ce qui est tangi ordonnance présidentielle, article ya soukawa na balobakake,
décision y a ordonnance wana et abroja kaba décision y a ba ordonnance antérieure. Donc l'ordonnance qui l'est nommée comme DG y a Ojefrem et Zala qui abrogé par la nouvelle ordonnance soit nommé y comme administrateur na Ojefrem na na Congo Airways. Mais chose grave, le ministre des Transports, Monsieur Yekila, a lingi qu'on notifie Mouto Yote que Azali Lissous ou DGT et que son adieu doit assumer son intérim en attendant la nomination du nouveau DG. Et tout ça pourquoi tant que tu as dit que tu as dit que tu as dit que parce que le 2 et Monsieur Yekila, na DG sortant ya OGFM, o ya komi le lo administrateur ya Congo Airways, bango tumi bale bazali ba membre AFDCA. Et comme ils militent ensemble dans un parti politique, et qu'il a ali kobo ya ko notifié DG à Dieu, pour ça la intérim na ye, favorisant M. William Kazumba Mayombo, a ça la le cumul de fonctions. Aliambongo à l'État dans deux entreprises étatiques, Azal Aliambongo comme DG à OGFM, Alia Pembongo comme administrateur na Congo Airways. Ici, ça se passe ici. Le ministre est qui là? Ali Koboya, ordonnance, ya Tata Mokonzi Ayikolo. Parce que lorsque le chef de l'État nomme quelqu'un comme administrateur na Congo Airways, ça veut dire que la précédente ordonnance est abrogée par la nouvelle. Donc, fonction ya bandeki ko occupé à Liboso ya DG, bali ko abrogé yango par la nouvelle ordonnance soit ezali ko nommé comme administrateur na Congo Airways. Mais chose étonnante, comme ils militent ensemble na AFDC, ils estiment que bango na katia parti na bango ba koki ko bénéficier na kimile ya fonction ya mutu moko. Or qu'il y a plusieurs Congolais aujourd'hui qui sont au chômage. Kazumba n'est pas la seule personne compétente. Toi, il faut kaka azala DG à OGFM. Et d'ailleurs, quel est le bilan de Kazumba na OGFM? Parce que na OGFM, tout est paralysé. Il faut le dire. Le conseil d'administration a déjà pris acte. Il y a départ, il y a DG, il y a OGFM. Mais chose étonnante, DG wana zali koboya. Alobi ya koti kala kaka DG wana. Il a l'appui, il y a ministre et qui la ministre ya transport. Nous demandons au Premier ministre de suivre ces cas parce qu'on est en train de se rebeller contre l'ordonnance du chef de l'État. Les ordonnances du chef de l'État s'exécutent immédiatement. Ça s'exécute immédiatement. Voilà comment Batumususu baliko rendre mauvais service na ba autorité morale na bango. Bayebi que aujourd'hui il y a le gens oh bazali comment na ke batuluko bazali sincère envers le chef de l'État avec de telles actions, avec de tels actes. Oh yo ordonnance ces ali aboli par la nouvelle yo ministre AFDC. Oh ezali batuluko bo ozali koboya ko notifier mutuna yo que azali lisusu DG kunate et que son adieu doit faire son intérim parce que lui a été nommé administrateur na Congo Airways. Vous donnez raison à bato baliko attaquer Modeste batuluko bo qu'il n'est pas sincère avec le chef de l'État. Et nous demandons aussi à l'autorité morale Batilukwebo de suivre cette histoire de près parce que Bali ko rendre un mauvais service par bateau ye atindi na gouvernement. Alors chers compatriotes, na lobaki kaka ifona sale la bino. Actualité mi balé wana, actualité zali ebelé. Peter Kazadi procès de recrutement des centres de 13 000 policiers. Yo jeune wa kuluna wana musalate kende la police nationale les ali ko recruter kende ba formé yo ozo matricule à l'état baba na ofuta yo otika ki kuluna 13 000 policiers bazali le processus de recrutement a déjà commencé bisika wali ko ezali ko landanga na minute yo kende na la police la plus proche bisika ozali kende kuna s'enregistrer, s'enrôler dans la police. Ceux qui ont moussalaté, moussala yangwana dans la police. On a recruté dernièrement au sein de nos forces armées. Maintenant, c'est le cas de la police. Bo kende, bo s'enrôler massivement dans la police nationale pour na ko sécuriser
batu naba biloko na bango sans plus tarder sikoyo ndenge na ebisa kibino to akokota sikoyo na mama likambu na uti ko ebisa bino titre wana bo ali komona 150 M23 neutralisé plus de 70 babomi bango na affrontement we uti osale mana chanzu na runyonyi ozui chanzu runyonyi etongo. Ils ont été neutralisés. 150 M23 arrêtés. D'autres ont pris la fuite. Bamsousou ba déserté leur quartier généraux. La montée en puissance de nos forces armées, ezala ke loko, ezala ki prévisible. Yango bomona ki Sulutani Makengo aleka ki directement à lobby. Il a besoin de dialogue. Ils veulent négocier avec le gouvernement congolais. Ils veulent que Kinshasa accepte de se mettre sur la même table avec eux et dialoguer, trouver des solutions. Félix Tshisekedi a zoaki décision à lobby aucun seigneur de guerre bakoli misaye lisusute. Aucun seigneur de guerre a koki kokota lisusu na ba institution république té. Et même il y a une recommandation de l'Assemblée nationale o ezali ko pekisa gouvernement na biso ya ko sala brassage et mixage ya batoyo ba mi pesa ki na koboma ba imboka. Parce que vous êtes sans oublier que le gens là le seigneur de guerre ba comment en principe pour accéder au pouvoir. Il faut tuer les Congolais. Pour accéder au pouvoir, il faut que nos sœurs, nos mamans soient violentées. Pour accéder au pouvoir, il faut que nos enfants soient tués. Et cette fois-ci, comme il y a une détermination aussi forte de Félix Tshisekedi, qui ne veut pas que Batoyo, Babomi, Baimboka, Batoyo, Babomi, Bandekonabiso, Bananabiso, Batoyo, Baviolé, Bandekonabiso, Abasi, Bakokili, Soussou, quoi, accéder à la pouvoirté. Et l'intervention militaire était déjà prévisible dans le quartier général à M23. Parce que, si on a un ministre intérieur, on a l'écopé Sambote, le maître Peter Kazadia, qui a fait la tournée dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il a été suivi par le ministre de la Défense, Oyo, qui a fait sa morale, il y a des forces armées de la République démocratique du Congo, Nabiso. Pouete, Bitumba et continuer. Et chose, oh bango bakende la kikuna, bemba kutwa kende ki musika, bomona ki unité ya ba commando, oh ya solo la ki na bango, oh bazana ki sangani, na camp militaire, ya formation ba militaire na biso, lieutenant général Bauma, a solo li na bango, et l'unité était prête d'aller affronter le M23 na ba quartier généraux na bango. Awa na kobete la bino lisolo awa, je vous dis 150 militaires rwandais oyo bazalaki na M23, ils sont aux arrêts neutralisés par la coalition Walendo forces armées de la République démocratique du Congo. Donc le Wazalendo récupéré parce qu'il faut être clair pour batoya olobakeno bomoni makambo to bandaki koloba donc FARDC azali ko collaborer na ba groupe rebelle bazo travailler ensemble te ya bongote. Quand je dis neutralisé par la coalition, c'est-à-dire quoi? Le Wazalendo, je vous ai toujours expliqué. Bazali ba na mboka o bali ko bunda pona territoire national na biso. Bo bali ko défendre territoire na biso. Bangonde baya ba M23 baya ki ko attaquer bango bisika o bazalaki. Tango ba attaquer bango na butu, ils ont répliqué jusqu'à ravir le quartier général de Tshanzu. Ya ba M23. De l'autre côté, nos forces de sécurité ont attaqué Runyonyi quartier général Moussous sur M23 et nos forces armées ont neutralisé plus ou moins 70 quelques soldats ya Rwanda au Basbanda qui kobunda sous le label ya M23 au Basali ba terroriste. Et de l'autre côté na Tshanzu bisika ba wazalendo ba poursuivant qui le M23, ils ont récupéré même les munitions et les armes au Basbanda qui kobunda nango na Tshanzu.
Côté à Tongo, ce sont nos phares d'essai qui ont récupéré encore la base militaire M23 à Tchakiwana. Donc, aujourd'hui, quand je vous parle comme ça, M23 Tikali na Bastion, quartier général Naye, Oeza Siko na Bunagana. La stratégie ici est que, tune à décembre 2023, il faut babouter Bango Libanda. Et que la République, nos forces armées récupèrent toutes les localités qui ont été jadis sous la gestion yaba terroriste, sous la gestion du terroriste du M23 soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Voilà un peu ce qui se passe au niveau de l'Est. Mandouki et Betaki. Naibisaki bino Sukhoi 35. Bamususu ba obenga ba otunanga, mais Sukhoi 35 ezali ninde ko Jeff. Oui, Sukhoi 35 ezali avion de chasse marque Yasika. Oyo tata mokonzi ekolo apesaki na mapinga na biso pona ko intervenir. Donc soki la force terrestre ezali ko attaquer na mabele, la force aérienne et ali ko attaquer au travers ya Sukhoi 35. C'est la nouvelle technologie ou bien avion de chasse ya Sika. Oyo ebimi oyo tata mokozi ekolo asombi pona République démocratique du Congo. Vous avez vu des blindés. Oyo armée na biso ba équipé yango et pas tata mokozi ekolo. Et le résultat commence à tomber. Le lendemain na konsolola na bino boye bande kwa Chanzu, bande kwa Runyonyi na Tongo, bazali na Sengo. Parce que le M23 n'existe plus. Bali komona bangote. Mike oyo batikalaki, ba kotizamba, ba kimi ba kotizamba, ba kei na bango ba kotizamba. Mais selon les autres indices, les autres, nos sources d'information, on nous informe que la stratégie a été changée par Sulutani Makengo. Parce que lui-même, Sulutani Makengo, on ne sait pas le localiser. Bazali koye bate soki azali wapi. Après attaque wana bazali koye bate tilelo na tongo asali na nos déclarations te. Même le porte-parole du M23 asali na nos déclarations te. Même Bertrand Bisimwa oya utaki kokutana na Yoweri Kaguta Museveni asali na nos déclarations te. Parce qu'ils ont subi une défaite sanglante oyo le wazalendo ba pesa ki ba beti bango na Chanzu, nos forces armées a beti bango na Runyonyi, na Tongo. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas communiquer sur le véritable bilan. Les effectifs du M23 n'engé na koye bisabino wa débandade. Donc, effectifs etika les akaweza na Bunagana. Ils sont en débandade. Des bandades Yamakasi parce qu'ils sont introuvables. Et selon d'autres indiscrétions, Sulutani Makengo aurait communiqué à Paul Kagame la situation que plus de 150 militaires rwandais bazali arrêtés sur les sols congolais et que plus de 50 sont morts. Bibemba ba mususu ba kimi nango ba zongi nango na Rwanda mususu ba zitikali sur place. Obanda kyo sakana na Tshisekedi di Tshilombo. La détermination elle est là parce que Makengo asia lela ki a lobaki il avait vu mais Kagame mutuacha ya yebisa ki eno bozala kawana. Makengo a lobaki comme Tshisekedi a boyi dialogue donc il se prépare à la guerre. Il prépare une intervention militaire. Et l'intervention militaire est Kweyaki lobby. Et les résultats sont là. Oh, écoute, on a appelé Sabino, ils allaient provisoire. Ils allaient bilan provisoire. Il y a victoire, il y a nos forces armées. L'M23 pensait que Nenge Balansa qui alerte, Balansa qui attaque Wana. Armée Nabiso Korekile, Lissouka Nenge Balobakano, on va se replier pour protéger le peuple. Cette fois-ci, ils ont hérité contre la détermination d'une unité de commando formée na Kisangani. Maintenant, imaginez que Baope Bazali Awa côté na Kito na Awa.
bah j'ai donc bah outa qui co recruter bah kenda qui quittona. Imaginez que bango pe bazui bango na bar arme ou tozali nango lelo Félix Assombi na mandukio yo tata mokonzia yokolo a tchebidia mobimba na ebisa kibino la loi de la proclamation militaire loi wana yango nde salaka ke armée mata tala lelo yo armée ezui bidie basombeli ba militaire na biso bateni basombeli bango manduki. Regardez maintenant aujourd'hui le résultat sur terrain, le résultat sur terrain démontre la mort ya ba IM23 pe kokima na bango. Et aujourd'hui, c'est urgent que ndenge to bandi frappe wana to continue to récupérer ti Bounagana. Je vous avais dit, je vous avais assuré que avant to koma maponami, Bounagana kozala semble avec Félix Tshisekedi. La population était ensemble avec nos forces armées. Ils ont soutenu nos forces armées. Et aujourd'hui, il y a le résultat palpable. Et résultat, on a eu 150 militaires rwandais interpellés, arrêtés, neutralisés par nos forces armées et plus de 50 morts tués par le rafale. Il y a la République démocratique du Congo. Tués par l'intervention militaire de nos forces armées. Bravo aux forces armées. Bravo à nos FARDC, bravo aux Wazalendo, bravo aux Maïmaï. Lelo tout le monde, à l'Est de la République démocratique du Congo, qui avait écrit que M23 et Kokaki Kozwati Goma. Bali Kokokate. C'est quoi la nouvelle stratégie Zanine? Kagame pense que pour faire fléchir maintenant Félix Tshisekedi et Sengeli attaquer Tshisekedi à partir de Brazzaville. Boutou nanga mende kodjef à quoi attaquer Tshisekedi à partir de Brazzaville ndengenin. Oui, il va attaquer Tshisekedi à partir de Brazzaville parce que vous êtes sans ignorer que Congo Brazza était Kelaki Rwanda, 11 000 hectares. 11 000, je dis bien, 11 000 hectares. Que ba Rwanda baya au Salabilanga. Et nous avons appris que le Conseil national de sécurité ya Rwanda est Utaki Kokota. Et qu'il y a une unité armée rwandaise au Kozala affectée dans 11 000 hectares Rwanda. Oyo, bako sa la lien direct na Kinshasa pour attaquer directement Oya. Parce que les 11 000 hectares ou bateke li bangwana et ali kotalama na cité de l'Oya, bisika tata mokonzi ekolo ali kofanda. Alors, le loyo, tout le monde se pose la question. Est-ce que Denis Sassou Nguesso avait pris la mesure de la décision qu'il prenait lorsqu'il octroyait 11 000 hectares na ba Rwandais? Est-ce que le Brazzavillois, les Congolais d'en face, bango bazaki na makokite ya ko cultiver les 11 000 hectares wana. Est-ce que le gouvernement ya Congo Brazza ezalaki na makoki ya ko cultiver yango te? Parce que ce qui réellement, si les informations que nous avons réussi de Kigali, de la part du Conseil national de sécurité à Kigali, ce qui ezali ya solo, je vous assure que ce qui bango batake, Kinshasa sera obligé de contre-attaquer. Et la contre-attaque ici est Bandeki déjà. Ceux qui sont à Kinshasa ont vu comment la ville a été survolée par les avions de chasse de nos forces armées. Et s'il y a maintenant un combat sur le sol brazzavillois, qui sera tenu pour responsable? Nani a cause à la tenue pour responsable? Aujourd'hui, je ne sais pas si Denis Sassou Nguesso se rend compte qu'il y a bêtise à Salaki. Parce que le Rwanda aujourd'hui commence à être isolé.
Le Rwanda aujourd'hui commence à être isolé par la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. L'Angola et Boyaki quoi crédité ambassadeur Oyo Kagame a outagi kotinda n'Angola. Et vous savez que l'Angola c'est le facilitateur na makambo etali tension. N'oubliez pas la feuille de route de Luanda. Mais ce qui au moins dit Lorenzo a boyi quoi crédité ambassadeur ya Rwanda na Angola, ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche qui se passe. Vous avez vu la Belgique qui était colonisateur du Rwanda et du Congo, a boyi quoi crédité ambassadeur rwandais à Bruxelles. L'Égypte emboîte les poids, les pas. L'Afrique du Sud a fait également la même chose. Et aujourd'hui, Paul Kagame se va être isolé. Tobandina en Afrique, il se va être isolé. Isolé comment? Parce que les ambassadeurs qu'il avait envoyés, pour te battre porter la voix du Rwanda, na bambo kaina, ba boye libango. Et le Rwanda n'est pas représenté là, jusqu'à la preuve du contraire. Et les relations diplomatiques, tant que bali ko boya kwa crédité moutou, c'est-à-dire il y a des tensions entre les deux États, entre les relations ne sont pas au bon fixe. Et Paul Kagame commence à se retrouver coincé devant la réalité que Félix Tshisekedi vend aujourd'hui au travers le monde, que Kagame, c'est lui qui est l'auteur, yaba, makambo yozali ko salema, na est la République démocratique du Congo. Et si la communauté internationale ne veut pas jouer le franger, nous nous allons frapper. Et la frappe a commencé, pour yoki na yebisibino, na pesibino bilan provisoire, il y a nombre de morts, il y a bato yoba koufi. Mais entre-temps, Tshisekedi ne se limite pas là. Tant que l'armée est en réforme, mais entre-temps, elle monte en puissance pour faire bouter les opportunistes, ces terroristes, hors de notre territoire. On est en train de recruter 13 000 policiers pour assurer maintenant la sécurité de personnes et de leurs biens. Parce que notamment, ces derniers temps, on a vu l'insécurité qui montait au niveau de l'insécurité urbaine. Na katia ba ville, oye bandaki komata, on tuait les gens. Tout ça, on est en train de réformer, de recruter, de faire tout pour que les Congolais amiyoka à l'aise na mabele na ye. Yango Bomoni, Jean-Pierre Bemba, déterminé, très déterminé même, il y a Kosilana naba YM23. Le gens disaient, mais ben Mango depuis Banoma qui est l'autre côté. Mais aujourd'hui, vous sentez qu'il y a une montée en puissance de nos forces armées. Vous sentez que la RDC est en train de monter en puissance. Et Moutouté a coquillé sous ce côté les Melabiso. Mes chers abonnés, chers téléspectateurs, chers internautes Bisika Toubozoami, faisons tous confiance à Félix Tshisekedi. Faisons tous confiance aux gens qui aiment ce pays, aux gens qui ont la volonté de changer les choses, aux gens qui veulent que Tochana nous fondation. Moi, je vous ai toujours dit, Congo est au bon gana 10 ans Tshisekedi a au salaté. Mais Congo est au bon gana, ce qui moutoua koya après Tshisekedi a au salaté, même volonté a au salat comme Tshisekedi. Parce que Tshisekedi ne met que la fondation. Il ne met que la fondation. Moi d'ailleurs, au lieu qu'on bengaye béton, to bengaye fondation. Parce qu'il met la fondation de la République démocratique du Congo. Cette fondation sur laquelle Batoubousou ba otonga. Bon, moi là, que Mbongo bassin du Congo, babandeki kozongo na Gabon. Lelo le bassin, Mbongo bassin du Congo, ba komi koya ko traité yango na Kinshasa. Les dernières quinzaines, il y a moi d'Outoyo. Donc, fait à moi Outoyo, le président Lula, le président Brésil, le président Indonésie, Bazoya na Kinshasa, pour parler du bassin du Congo. Et avant Tshisekedi, avec le commissionnaire Kanambe Joseph, Babandaki ko traité Yango Wapi.
na Gabon. Mais aujourd'hui, avec la volonté de Tshisekedi, qui veut changer les choses pour que la RDC bénéficie également na Bambongo Nyonsoana, on ramène aujourd'hui le président Lula et le président indonésien au Congo pour que Bango Misatuana bazala bato bazali à la base ya au sauver l'humanité. Il y a au sauver le réchauffement climatique. Et lorsqu'on sauve le réchauffement climatique, la RDC doit bénéficier de plusieurs avantages, de plusieurs rétrocessions. Il faut payer pour être autochtones. Ba mona pe te ke ba richesse na bango ezali ko apporter le bango quelque chose yango ba mona ki na ba revisitation ba contrat minier. Félix Tshisekedi a fait la même chose. Il a dit qu'il faut redistribuer les richesses du Congo à tous les Congolais. Comment le faire? Gratuité de l'enseignement. Moi na to ali ko tanga sans ko futa azali ko bénéficier na richesse ya Congo. Ba ali ko tongela bana tout ba école. Bali ko tongela bango ba hôpitaux, maternité gratuit. Banzela bali ko tonga ba mayi ya pio bali ba mayi penza ya peto bali ko tiela bango. Tout ça et chaque Congolais se retrouve au moins na mouke ya effort au Félix Tshisekedi a bandi déjà au sale. Et cela m'amène ya olobela le grand marché de Kinshasa. Mais laissez-moi vous dire, chers abonnés, que Ezali merveille et l'okoyo gentini ngobilali kotonga. Ezali merveille, j'imagine, en Afrique centrale, c'est le premier grand marché, le complexe commercial moderne construit à Kinshasa. Est-ce que vous imaginez l'impact que ça, en Afrique centrale Mobimba? Marché au Yokoleka, marché gentilien à l'Ikotonga, Ezalité. Les images sont en train de circuler. Et d'ailleurs, Naokitana Romeo, Nazandu, nous allons filmer les grands marchés, place Ekomi Sikoyo. Bota la complexe commerciale moderne, le bijou de Gentilien Ngobila au Kinoa. La campagne de Félix Tshisekedi au Kinoa. Gentilien, après avoir gagné Makala, Selembao, Bumbu, Lemba, Matete, Limete, a gagné ma province où on a par les infrastructures qui l'amènent. Gentilien a mené des infrastructures qui ont fait adhérer. Pour convaincre Bahimboka que Bandima, que Félix Tshisekedi fait du travail, il est en train de travailler. Mais en réalité, la personne qui a travaillé, c'est Gentilien Ngobila. Et les bijoux qu'il a fait, Nazali Koebi Sabino, j'étais émerveillé na otala, le complexe commercial au Ezali Kotongama. Batou Baloba Kiwo Tshisekedi a détruit les grands marchés. Batoua Koufi. Mais aujourd'hui, les gens ne vous disent pas que c'est un bijou. C'est le plus grand marché en Afrique centrale. Bali ko yebisabino yangote. Bali ko yebisabino yangote. Mais c'est complexe là. Oyo kozala na ba magasin. Et ozala na ba mesa ba maman ba te kaka. Et ozala na ba toilette. Et ozala pe na ba bureau na katikati kuna. Vous imaginez un peu ce complexe-là. Je dis, c'est l'Afrique Mobimba. Peut-être Afrique centrale Mobimba. Marché, oh, le qui marché, au Gentilien Ali Kotonga, là-bas, qui nous est alité. Vu ce que nous avons vu avec Gentilien Ngobila, nous pouvons que dire merci à Félix Tshisekedi d'avoir porté son choix sur Gentilien Ngobila. Et nous demandons qu'il soit encore maintenu comme gouverneur au-delà de 2023, après les élections de 2023, qu'il soit maintenu comme gouverneur pour être Moussalo Yabandi Sikoyo et continuer Libela. Les détracteurs de Gentilien ne vous diront pas la vérité, mais moi je suis ici pour vous dire la vérité, chers téléspectateurs. Est-ce que les gens de Makala qui ont vu l'état Oyobati Kaki Elengesa, na eta wo Elengesa ezali lelo. Est-ce qu'ils peuvent parler à mal de Félix Tshisekedi? Les gens qui étaient pemenia
avenir qui quitte. Nzela wana qui quitte. Avant boye ya gentini. Na bato bazali ko vivre na avenir qui quitte wana lelo. Après boye ya gentini, est-ce qu'ils peuvent parler à mal de Félix Tshisekedi? L'éclairage public que nous voyons à Limité ici. Limité boulevard wana et commune tipoto. On a embelli l'embellissement de la ville. C'est avec Gentini Ngobila. Le parc d'attractions, bana lelo ba komi ndenge bana ba vacances boye bazali ko kende limité pona osakana na parc. Oh Gentini a sali pona avantage ya bakinwa, avantage ya bana na yete. Et je ne sais même pas si bana ya Gentini bazalaka awa po ba profiter na babilo kwana. Non, mais il le fait pour l'avantage de Kinwa. Il y a plusieurs réalisations de Gentini, mais il y a Souka, toi, je vous invite, Kinois et Kinoises, nga inabino, na liko zelabino, na mois de novembre, nga inabino, toko koutana, bisika oyo bako inogire zandu, nga y, na Gentini Ngobila, na Tom Soumouanza, le coordonnateur des communicateurs, toko zalana ye. Pour na quoi mener ba kinwa na inauguration ya grand marché, les gens qui ont vu ba tukole là, les gens qui ont vu ba toyo ba zolo ba, oh non Gentini ayo oboma Kinshasa, Gentini non, Gentini est venu faire que la vision de Félix Tshisekedi se concrétise na ville province ya Kinshasa. Voilà pourquoi vous voyez que les réalisations sont palpables. Qui ne voit pas les réalisations de Gentini? Moussala ba kinwa ezanine Ote Kinshasa est comme Bosoto. Mais qui rend Kinshasa sale? Toi, c'est la vérité. Qui rend Kinshasa sale? La propriété est à ville, net Brazzaville. Ozomona, gouvernement central à Congo Brazza et à Pepe Sakaville et à Brazzaville 6 millions de dollars. Chaque mois pour la propriété à ville à Brazzaville. Mais ici chez nous à Kinshasa, Kinshasa et l'équipe Brazzaville mounen même 3-4 fois. Mais Basile Bali copé sa Gentini Ngobila 2 millions de dollars pour assainir la ville de Kinshasa. Mais 2 millions de dollars en go depuis 2022 et Bimakalisu Souté. Bloqué. Demandez au gouvernement central. Au lieu de se poser ces véritables questions, on vient attaquer Gentini Ngobila. Mais. Godempo il doit dire aux Congolais que mbongo wana yako boya Kinshasa bopeto l'assainissement de la ville est bimakate depuis 2022 parce que c'est lui le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Jekoko Mulumba le vice-gouverneur. Ils savent que depuis 2022 l'argent y a assainissement ville à Kinshasa est bimakate. Les efforts que ces jeunes garçons et l'engueu à Kosa la Gentini Ngobila, ce n'est pas qui dit aller le ménage au Bissabino de réalité. Bobo sani que André Kimbuta Tikaki, hôtel de ville de Kinshasa, na nyongwa 60 millions de dollars, na ba banque commerciale nyonso. À l'époque où je vous parle, ce qui m'bongo est koti, na ba banque commerciale, na ba compte ya ba banque commerciale, wana, ba les banques retirent ça à la base. Donc la ville n'a rien. Ce sont les efforts énormes aux Gentini ali ko sala pona otonga banzela ndenge zali ko tonga maboye pona ko tonga grand marché wana ndenge zali ko tonga maboye. Pourquoi? Parce que ce qui les loyo avec la bancarisation ba impôt ba makambutu ezali ko futama na ba banque. Mais ce qui mbongo ekoti na banque ba banque wana ezali ko retenir mbongo wana soit bazali ko zoba nyongo hôtel de ville ezala ki nango à la base. Et la ville n'a absolument rien du tout. Oh, Gentini a lu qu'au foot, t'as pas fonctionnaire, t'as pas travailleur à hôtel de ville. Mais la rétrocession, oh, et où t'as qu'un gouvernement central, et y est la province, pour tes provinces, et foot, t'as lu qu'au travailler. C'est quand la dernière rétrocession du gouvernement central à Gentini Ngobila? Point d'interrogation. Je me limite par là, parce que Sengeli, Toku Tananabino, Kalamingite, pour un nouveau pour une nouvelle émission, il y a décryptage de l'actualité politique. Je vous ai dit ce qui au meki ko simba Gentini Ngobila ko simba nga parce que muto ali ko tali sa vision à tata mokozi école muto ali ko lingisa Félix Tshisekedi na ba province mususu wana ba gouverneur ba osale le côté. Et d'ailleurs moi j'aimerais que même le ministre sectoriel, le ministre national na ba secteur na bango ba copier Gentini Ngobila.
na musala zali ko sala. Si chaque ministre dans son secteur faisait au moins ce que Gentini a fait, aujourd'hui on allait avoir donc opposa ko kaki ko zala lisusu na liloba o lobate ke bilan zali négatif jamais parce que ceux qui basala ki ndenge Gentini a lo sali a sali na Kinshasa, le bilan de Félix Tshisekedi au lieu ya ozala il y a 65% positif et linga ke zala ta 99,9 positif. Quant à moi, je vous retrouve demain sur la même chaîne avec le même plaisir et à la même heure. Ciao.